Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va aller se faire le nouveau défi de Clash Royale. C'est un défi avec élixir infini. Alors, on a concocté un petit deck aux petits oignons, vous allez voir. Il est parfait, il est excellent pour ce mode de jeu. Je vous spoil pas plus. Je vous spoil pas plus. Juste un petit truc, n'hésitez pas à dire bonjour à Evoli, hein. Evoli et Donkey Kong. On rejoint derrière et je peux même vous montrer un truc incroyable. C'est bleu, il y a de la couleur. Regardez, je peux mettre des couleurs partout. Voilà, c'est incroyable. Alors, ce défi. Ce défi. Bon, vous le savez, c'est plus ou moins élixir infini, hein. L'élixir va très vite, on est en x7. Il y a 3 dégâts effets au maximum. Alors, du coup, on a concocté ce deck-là. Mais oui! Mais oui! Je me suis dit, allez, un spell cycle, évidemment, un spell cycle. On met quand même les gobelins, le miroir et tout ça, histoire de bien spammer la tête de l'adversaire. Pour l'instant, on est sur du 3-0 avec le deck, hein. Donc, on se situe sur quelque chose d'extrêmement solide, hein. Vous voyez, 3 victoires de suite avec le deck. En face, on est tombé sur des decks qui ressemblent plus ou moins, hein, qui envoient du cimetière, des trucs comme ça. On a réussi à aller un petit peu plus vite. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont reprendre ce type de deck. Donc, voilà, il va falloir faire parler votre acuité, vos mécaniques. Je suis tombé deux fois sur des decks qui ressemblent un peu à ça, mais pas exactement celui-là. On verra si on adapte une carte ou pas, genre la foudre, bon, je sais pas trop si elle doit être dedans. Mais on va voir, tranquille, sinon on met une petite bûche pour défendre justement les fûts en face. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On va devoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc je vous incite à vraiment être très concentré, même en regardant la vidéo, parce que là, on va assister au plus haut niveau de jeu possible à atteindre sur Clash Royale. Hein, donc c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh putain, je suis trop hypé, je suis trop à fond. C'est parti, putain, je suis bête. Ok, roquette, roquette, roquette. Miroir, roquette, ouais. Ouais, poison, donc là plutôt le fût gobelin, il me touche le... Ah non, mais j'ai le clone, j'ai mis trop vite. Ah là là, je fais n'importe quoi. Ah, je viens de jeter ma game. J'étais bien là, j'étais bien, je viens de faire n'importe quoi. Parce que là, il va aller plus vite du coup, hein, l'ami en face. On le sait qu'il va aller plus vite, hein. Ok, la double boule de feu. Non! Dans le vent! On est reparti. Ça, c'est l'effet de la vidéo, hein, parce que je peux vous assurer que hors vidéo, tout se passait bien. Hein. Tout se passait extrêmement bien. Hein. Je pense que vous n'étiez pas prêts et voilà. Non, mais là, je pense que c'est. Enfin, ça, vous n'étiez pas tout à fait prêts, du coup, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en vrai, c'est pas grave. Hein. Là, on est reparti. Hein. Vous appuyez, est-ce qu'on le défend ou est-ce qu'on roquette la tour en face? On roquette la tour en face, on va pas trop s'embêter non plus. Tac, tac, petit clone de famille, tranquille. Voilà! C'est ça! Ça, c'est le genre de gameplay de vol qu'on veut. Il nous reste 5 victoires à faire avec le deck. Donc, évidemment, ne liquez pas d'élixir. Hein. Voilà, vous connaissez les bases du jeu. Hein. Vous liquez pas d'élixir. Hein. Vous perdez pas d'élixir. Hein. Vous avez des touches, vous savez pas sur laquelle vous appuyez. Vous appuyez quand même. Hein. C'est jamais. Des fois, ça marche. Hein. Là, par contre, je suis allé un petit peu vite. Donc, ça va, on va juste faire une espèce de roquette. Je vais quand même mettre un poison def. Histoire de dire vraiment, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui défend. Je suis quelqu'un qui est présent. Je fais ça bien, quoi. En fait, ça marche pas. Ok. Ça me paraît un peu tendu, hein. Ça me paraît un peu compliqué cette partie, hein. Mais non, ça va bien se passer. Il va plus vite, hein. Il va plus vite là, il va plus vite. Allô, 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 allô. Non! Non! 626, mec, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. On est reparti. Là, il manquait un peu de focus, mais. L'idée était là, hein, l'exécution était là, mais il manquait un tout petit peu de volonté, hein, de volonté de faire ça bien. Et il est parti, on voit les puits. Et bah lui, on va clairement essayer des puits de cuisine. Hein. Ah là là, cette précision sur mes touches. Ah, regardez ça, comme on est en train de faire la meilleure partie de notre vie. On va faire un re-séisme. Et là, on n'attend plus qu'à mettre nos sorts. Hein. On met plutôt les sorts là en priorité. Et là, la roquette qui allait finir la boule de feu. Oh, le joueur golem. On l'a démonté. On l'a démonté, le joueur golem. Ah, et il n'a même pas pris une tour. Hein. C'est-à-dire la puissance de notre acuité visuelle, tactique et tout. Ouais. Bon, le compte est un peu full. Hein. Ça va. Ça fait beaucoup d'or. Hein. 10 000 d'or. 10 000 d'or, c'est monstrueux. On fait ça, into le miroir, into le séisme, into le clone. Ok, là on se situe sur quelqu'un qui a attendu un petit peu pour réagir.
Et quand on attend, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup on se reprend des fuites de gobelins, des miroirs, des trucs comme ça. Et maintenant je vais faire du full spell cycle. C'est parti pour du séisme. Tac tac tac. Alors là on va pas plutôt, on va pas clone le... Voilà, ouais ouais ouais, ouais. Okay. Ah, mon ordre est pas bon d'exécution de sort, mais c'est pas grave. En vrai, qui s'en soucie? Qui s'en soucie vraiment? Lève la main, non, personne. Ok, tout le monde s'en fiche. Et tout le monde s'en fout, c'est très bien. Alors là, on va faire une miroir roquette et c'est gagné. Hein. La miroir roquette qui arrive, la roquette, la roquette, la roquette, la deuxième roquette. On a même plus besoin de poser les touches. Oh, c'était chaud, on était à 1400 chez nous quand même. Ah, c'était chaud. Alors, on aurait pu avoir une meilleure exécution, mais franchement, on a quand même vraiment bien joué la pile de nos touches. Le tactile, hein, le tactile, évidemment, hein, le tactile. C'est, enfin, voilà, c'était bien joué. Allez, on est reparti là. Là, on veut le meilleur de nous-mêmes. C'est parti, fut de gobelin, into séisme évidemment, into ça, into un petit clone, into le poison, into de nouveau le fut de gobelin, into de nouveau le fut de gobelin, into le séisme, into le clone, into la roquette, into le cimetière nef, ouais, ok. Oh là là, ouais, là là, on y a cher, hein. On a plus qu'à aller faire une petite roquette et c'est gagné. Oh là là, mais quel niveau de jeu! On l'a démonté! On a été tellement meilleur! Oh là là. Et là déjà on est déjà pour le pass royal, mais perdez-le et relancez-le. C'est incroyable. Pour le pass royal, il se fait mais tout seul, hein. C'est le défi pass royal, hein. Par excellence, hein. Donc là on peut commencer un fut de gobelin, une tout miroir du fut de gobelin. On va juste défendre le sien. On fait un petit clonage par là-bas. Voilà, un petit clonage tranquille. On va remettre nous-mêmes le fut de gobelin. Là il a décidé de partir un petit peu def la vie. Ça me va, ça me va. Je vais repartir comme ça, tranquille, je mets un peu de défense. Nous, on est à portée de roquettes séisme, alors bon, on va faire roquette séisme, une tout séisme de nouveau, et puis on a gagné. Voilà, on va lui dire. Voilà, Kenson, il était pas prêt, hein. Et donc, on est une partie déjà d'aller faire la dernière match. Hein. Une partie d'aller faire le dernier match, sachant que nous, on fait que du 3 couronnes ou rien. Parce que, et le passe. Hein. C'est parti. Alors, il va falloir se concentrer, hein, c'est le dernier match. Hein. Tout peut jouer dans ce match, hein. Tout peut se passer à tout moment dans ce match, donc là il va falloir faire très attention évidemment. Ok, donc là on a le sorcier qui a été pop en face, on va mettre une deuxième boule de feu, on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre un petit séisme peut-être pour aller tempo vite fait défensivement quand même, histoire de bien. Une roquette également, allez vas-y, on fait genre on défend cette partie un minimum. On fait genre on défend un minimum, genre juste histoire de dire quoi, histoire de mettre un peu de pression à l'adversaire. On peut en mettre un zappi par là-bas, là on va caler un petit clone des familles, il est pas prêt, il est pas prêt. Le séisme, la roquette, non, non, tu vas plus vite, hein. Tu vas plus vite, Michel, il me faut la foudre, instant. Il faut la foudre, qu'elle touche. Oh. Allez, alors, mais qui peut venir nous chercher? Mais qui peut venir nous chercher dans ce défi? Personne, sauf peut-être deux personnes, mais à part ça, oh là là, mon est trop chaud, oh bordel, oh là, pas pile pêcheur, oh là 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 là, ah, ce deck, hein, ce deck vraiment, c'est une pépite, vous avez vu, vous pouvez défendre, attaquer, enfin, vraiment, même en x1, t'as même en super défi, limite, vous pouvez le jouer, mais là vraiment, dans ce mode, bon, il est un petit peu mieux. Ah, oh, incroyable ce qui s'est passé. On est peu de choses, hein. Bah, je peux vous dire, l'humanité est peu de choses, mais alors là, on est vraiment peu de choses. On est vraiment peu de choses, hein. Bon, j'espère que vous avez kiffé, hein. Je sais pas, voilà, il y a le decklist en bas, hein, dans la description. Bon, voilà, faites-vous kiffer, faites du pass royal, et démontez-moi ce défi, hein. Faites-vous plaisir, et indiquez-moi, évidemment, le score que vous avez fait dans les commentaires. C'est très important. Excellente journée à toi, prends bien soin de toi, n'hésite pas à partager la vidéo, mettre un like, un commentaire, et ajouter le code créateur. Et voilà, j'ai tout calé en moins de 5 secondes, incroyable. Tchou, tchou, tchou.